Bonsoir Mylène. Re-bienvenue sur le plateau de Les Boss Lady Show. Merci pour l'invitation, je suis ravie. Ah, c'est nous qui sommes honorés de te recevoir. Une troisième fois, je crois. C'est la troisième fois, je crois que... Quatrième. Même aussi. Quatrième, oui. Et oui, voilà. Mylène, normalement, vous l'avez déjà vue, pour ceux qui suivent l'émission, aux côtés de Pasteur Grasse déjà, oui. N'est-ce pas? Et toutes les autres Boss Ladies. Exactement, toutes les autres chroniqueuses, les autres Boss Ladies, yes. Effectivement. Donc, merci d'être revenue ce soir. Et coucou Daphné. Coucou Malex. Donc, je ne vous présente plus Daphné. Mais si, tu présentes encore. Je savais. Donc, voilà, notre chère chroniqueuse Daphné Ambiero. Elle va nous sortir un français bien Molière ce soir, vous allez voir. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Oui, ça va être très, très bien. Excellent. Très, très un excellent. Français made in France. Amen. Super, amen. Voilà. Et ben, ce soir, vous l'aurez constaté, c'est encore moi sur ce fauteuil, ce n'est pas Pasteur Grasse. Et je tiens à remercier et à honorer Pasteur Grasse parce que déjà, c'est elle qui est la CEO, la visionnaire de Les Boss Ladies. En fait, sans Pasteur Grasse, je ne sais pas s'il y aurait eu Les Boss Ladies un jour. Merci, non, Pasteur Grasse. Il y aurait pas eu. Merci, Pasteur Grasse. C'est grâce beaucoup. À toi. Exactement. C'est sa vision et elle nous a embarqués comme ça dans l'aventure. Elle a dit, mes filles, je vous prends, on y va. Et aujourd'hui, elle nous confie son plateau, elle nous fait confiance. Donc voilà, merci beaucoup pour la confiance, Pasteur Grasse. Merci pour la vision et tout ce que tu as mis en nous pour qu'aujourd'hui, on puisse produire quelque chose. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous allons honorer également l'apôtre Alain Patrick Senge, n'est-ce pas? C'est lui qui est le visionnaire de la chaîne Évangile TV. Une chaîne qui vous bénit, qui vous édifie, une chaîne qui produit du contenu de qualité. Vraiment, merci pour cette vision. Merci parce qu'en plus, c'est un homme qui nous pousse à aller toujours dans l'excellence, à faire les choses vraiment très, très bien. Mmh. Et vraiment, c'est important d'avoir un père spirituel, d'avoir un mentor comme ça qui nous pousse toujours à aller de l'avant, à utiliser notre potentiel. Donc vraiment, merci, apôtre. Merci à toi. Merci, apôtre, également. Pour cette chaîne, pour cette plateforme qui nous permet aussi de nous exprimer, de partager pas mal de choses avec les téléspectateurs, n'est-ce pas? Et on va remercier la ministre Sabrina, qui est la directrice de la chaîne. Oui. Merci Sabrina. Merci Sabrina. Merci directrice. Merci pour ton travail, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et voilà, on va remercier toutes les personnes qui permettent que cette émission ait lieu, entre les maquilleuses, Marisa. Merci beaucoup de nous avoir sublimés aujourd'hui. Merci à JP, à David, qui sont derrière là-bas à la régie. Merci à toute l'équipe d'Évangile TV et merci à vous, chers téléspectateurs, d'être fidèles, d'être au rendez-vous à chaque fois chez les Boss Lady Show. Sans vous, en fait, il n'y a pas d'émission. C'est exactement. Ça. Puis, j'ai même envie de les remercier pour leur retour qu'ils nous font sur les différentes plateformes, parce que c'est aussi grâce à vos retours qu'on peut s'améliorer, qu'on peut voir si cette émission a véritablement de l'impact et qu'elle est vraiment pertinente par rapport à leurs problématiques, à leurs besoins, parce que c'est l'objectif, en fait. Exact, c'est ça. Dit, hein. C'est pas qu'on se tient ici pour parler entre nous, on pourrait très bien aller dans un café, hein. Mais on est là, c'est pour discuter et apporter ce que le Seigneur met à cœur pour qu'ils soient bénis à leur retour. Donc, merci beaucoup. Merci, les téléspectateurs. C'est encore plus excellent d'émission en émission. Exactement. Amen. OK. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé
d'excellence, là, n'est-ce pas ? Mm-hmm. On a mentionné le fait que l'apôtre était un homme qui nous poussait à aller vraiment chaque jour, à faire les choses avec excellence. Et nous allons parler aujourd'hui des ennemis de l'excellence. Et yes. Ce thème nous a été inspiré justement du livre de l'apôtre Alain Patrick Senguet. Mm. Vous allez le voir défiler là, juste en bas de l'écran. Okay, c'est un livre que vous pouvez vous procurer sur Amazon, d'accord ? Donc nous allons aborder aujourd'hui quelques points, mais si vous voulez vraiment les détails, si vous voulez davantage être nourri, aller plus en profondeur par rapport à ce qu'on va dire aujourd'hui, eh ben, nous vous invitons à vous procurer ce livre. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire les filles concernant l'excellence ? Qu'est-ce que ça vous évoque exactement ? Alors de ce que, déjà je vais parler tout premièrement de ce que l'apôtre lui-même nous enseigne, mm-hmm. avant de dire ce que ça m'évoque. Yes. Comme ça, je pense qu'on va partir sur de bonnes bases. Donc l'excellence, c'est la qualité d'une chose dans son degré le plus élevé, le plus éminent. Donc c'est le paroxysme de la bonne qualité. Mm-hmm. Pour moi, vraiment, l'excellence, c'est le fait de faire des choses au maximum de son potentiel, non pas être médiocre, non pas être dans la moyenne, mais vraiment être au sommet de son art, peu importe notre domaine, au travail, spirituellement, mais vraiment atteindre en fait le sommet et non pas la moyenne, les standards humains. Quoi. Pour moi, c'est ça l'excellence. Donc l'excellence, ce n'est pas se contenter du peu, c'est pas vraiment la satisfaction. Se dépasser à chaque fois. Yes, exactement. Et je dirais même que l'excellence produit la qualité. Donc la qualité est un des fruits de l'excellence. Et même en tant qu'être humain, au-delà même d'être un enfant de Dieu ou pas, l'être humain lui-même recherche souvent la qualité. Et j'aime beaucoup l'exemple que l'apôtre va citer dans son livre. Il va nous parler, par exemple, du mariage. On ne se marie pas avec n'importe qui. Donc, je mets des guillemets, hein, parce que bon, ça peut être n'importe qui pour une autre personne. Mais du coup, c'est relatif et c'est propre à nos critères, bien sûr. Donc, on ne se marie pas avec n'importe qui et n'importe comment. On va chercher la qualité selon nous, selon notre appel, selon notre vision. Donc, l'être humain en lui-même est toujours à la recherche de qualité. Et c'est vraiment notre responsabilité d'être parfait, d'être excellent. Et vraiment, Dieu, c'est un Dieu parfait et nous devons faire les choses comme lui parce que nous sommes à son image. Mmh. Et nous devons toujours en fait rechercher cette excellence partout où nous pouvons le faire, quoi. Toujours se remettre en question pour atteindre le sommet par la suite. Je pense que Dieu a bien fait les choses et il a mis en nous ce désir de trouver l'excellence ou de pouvoir bénéficier de l'excellence d'une chose pour qu'on puisse vraiment bien l'apprécier. Si par exemple je suis créateur d'un produit ou bien je sais pas d'un service que vous voulez et que malheureusement il y a des défauts dans cette création, les personnes qui voudront en bénéficier lorsqu'elles auront l'expérience de ce produit ne pourront pas l'apprécier pleinement. Exact. Donc Dieu fait en sorte qu'il y ait le degré de l'excellence pour qu'on puisse apprécier. Et je crois que c'est important de le dire. Le Seigneur veut que nous apprécions la vie. Il veut que les uns pour les autres, nous puissions être si excellents que ma présence, ma compagnie, mes paroles et ce que je produis, ce que je fais dans la vie soit agréable à mon frère et à ma sœur. Donc pour moi, il y a beaucoup de liens entre l'excellence et l'amour. Oh, wow. Yes. On ne peut pas se dire que j'aime quelqu'un et je vais lui donner ou lui apporter des choses qui sont moindres, malheureusement. Vous voyez, donc c'est pour ça que l'excellence ne doit pas être simplement vue comme une performance, donc comme tu l'as dit, quel que soit le domaine, que ce soit spirituellement ou dans le milieu professionnel, artistique, musical, enfin ce que vous voulez. L'excellence n'a pas d'abord à voir avec la performance, mais avec l'énergie et le cœur, l'envie qu'on met justement lorsque l'on produit quelque chose. Amen. Amen. Yes. C'est surtout le fait de, comme elle disait, avec amour, mais aussi se dire qu'on doit être excellent pour Dieu, pas être excellent pour être élevé, pour être distingué par les hommes, mais vraiment se dire qu'on le fait parce qu'on se doit d'être excellent et que c'est Dieu qui nous récompensera, que ce sera vraiment notre héritage. Et la Bible dit que nous devons d'abord servir Dieu. Et dans tous les domaines de notre vie, même si ce n'est pas à l'église, dans notre travail, à l'école, on se dit que je suis excellent parce que ma nature, c'est d'être excellent, quoi. Et pas parce que je dois recevoir un diplôme, je dois recevoir des félicitations, mais tout simplement parce que je dois l'être. C'est très bien que tu le précises, parce que ça me fait penser qu'en fait, l'excellence n'est pas pour plaire.
elle n'est pas pour satisfaire ou pour contenter quelqu'un. Exactement. Mais l'excellence est l'expression d'une nature. Exact. Et donc l'excellence est l'expression de la nature de Dieu. Vous voyez, on parle des sept merveilles du monde. Mmh. D'accord ? Donc, vous allez en Égypte, il y a une des merveilles du monde. La Tour Eiffel, d'ailleurs, fait partie d'une des merveilles du monde. Mmh. Donc, on parle de sept merveilles du monde selon le standard humain. Mmh. Mais il n'y a qu'à regarder des paysages, j'ai envie de dire, sauvages, qui n'ont pas été encore retravaillés par la main humaine pour se rendre compte qu'il y a tellement de choses excellentes et merveilleuses que Dieu a créées sur la terre et que nous pouvons tous les voir. Bon, en fonction de où tu es capable d'aller avec ton portefeuille, ok. Mais voilà, on s'est bien compris là-dessus. Oui. Et du coup, l'excellence, c'est l'expression de la nature de Dieu lorsque l'on regarde le monde. Donc Dieu, lorsqu'il a fait ça, c'est parce que lui, il l'était. Ce n'était pas premièrement pour plaire à quelqu'un. C'est parce que c'est sa nature. C'est parce que c'est sa nature. Yes. Donc si vous cherchez à atteindre l'excellence, il faut vous dire que c'est d'abord parce que vous avez une nature excellente. Et ça aide et je crois à être moins complexé. C'est ça, c'est ce que j'allais dire justement. Si on part déjà de ça en se disant, voilà, j'ai en moi cette nature excellente, ça peut être aussi une motivation pour nous de bien faire les choses. Par exemple, au travail, on a ce truc où, par exemple, quand on travaille dans une entreprise, beaucoup vont se dire, c'est pas l'entreprise de mon père ou de ma mère, alors ils vont faire les choses avec négligence, par exemple. Mais il ne faut pas avoir ce genre de mentalité. Justement, ça doit même nous déranger de ne pas faire les choses correctement, parce que, comme tu l'as dit, l'excellence et l'amour vont ensemble, en fait. Donc, le fait d'avoir ce type de langage, c'est même un manque d'amour, en fait. Et si on le fait déjà au travail, on peut le faire aussi ailleurs. Et c'est ça qui serait vraiment dommage. C'est surtout que si on le fait dans l'entreprise... où on est actuellement, peut-être que demain, quand on aura notre propre entreprise, nos employés ne se sentiront pas concernés par l'excellence de notre entreprise et du coup, eux aussi seront négligents. Donc vraiment, de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et même au-delà de ça, si tu prends l'habitude de ne pas faire les choses correctement, tu commences ici, mais même pour tes propres affaires, tu vas adopter cette habitude-là. C'est ça. Donc en réalité, même quand on est en entreprise, même si on sait que plus tard, on veut devenir, admettons, même chef d'entreprise, l'entreprise dans laquelle on est actuellement, elle est formatrice et il ne faut pas négliger. Mm-hmm. Donc, c'est là qu'il faut apprendre déjà. Mais bien sûr. Surtout tout à l'heure, on a dit que Dieu, on est excellent pour Dieu parce que Dieu va nous récompenser. Mais vraiment se dire que Dieu va positionner des hommes et des femmes pour nous corriger, pour nous mener vers le sentier de l'excellence. Et on devra vraiment protéger notre cœur pour pas que notre route soit coupée parce qu'on a trop d'orgueil, parce qu'on se dit que c'est seul Dieu va me corriger. Non, en fait, Dieu a mis des hommes et des femmes sur cette terre pour agir, pour faire un mandat et nous mener vers l'excellence. Mmh. Et se dire que nous ne sommes pas excellents pour ces personnes, mais ces personnes vont nous aider sur le chemin de l'excellence. Et puis, il n'y a pas de limite à l'excellence. Mmh. De la même manière que Dieu n'a pas de limite, on parle d'une source qui ne tarit pas. Amen. Alors, l'excellence aussi, elle n'a pas de limite. Si aujourd'hui, tu atteins un degré... certains d'excellence, tu peux te dire que dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, tu pourrais être encore plus excellent dans le même domaine et sur la même tâche, par exemple. Exactement. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au ménage. D'accord. Non, mais... parce que là, moi, je ne suis pas avec toi. Pourquoi? Même dans le ménage, il fait excellent. Oui, mais c'est son exemple, si tu veux, que je n'ai pas... Ok, Non, mais... En fait, je sais pas, non, parce que tu sais, quand on est enfant, surtout nous les filles, les mamans vont nous apprendre des choses petit à petit, mais plus on grandit, plus on sait faire des choses. Alors, je vais parler du ménage, je vais parler de faire à manger, enfin, les choses que nos mamans nous apprennent fréquemment, je vais dire ça comme ça. Et voilà, je sais pas, moi, c'est à 6 ans que j'apprenais à faire du lait au feu, par exemple. Wow. Bon, Moi, j'avais interdiction de m'approcher du feu. J'aimais tellement le feu que... Wow. Ah ouais, mais toi, t'étais une pyromane. Non, mais toi, tu devais être dangereuse. T'étais une pyromane. Pyromane. Non, mais je sais pas. Non, maman, elle nous habituait comme ça, voilà. Elle nous montrait comment faire. Oui. C'est pas pour qu'on touche le feu tous les jours, mais qu'on sache se débrouiller petit à petit. Donc, plus le temps passe, et plus aujourd'hui, voilà, on sait faire à manger, etc. Donc, ça me fait penser à ce que tu as dit. Il n'y a pas de limite, en fait, dans l'excellence. Et le fait de devoir s'améliorer d'année en année, en fait, avec le temps. C'est ça. Et voilà, donc j'ai pensé au ménage et à la cuisine. Okay. Très bel exemple. C'est donc ça. Merci.
Ok, tout à l'heure, on a parlé de... j'ai évoqué brièvement la négligence. Ok, donc on va citer quelques ennemis. Donc les ennemis des choses qui vont... Attendez, c'est même Daphné qui va nous parler des ennemis. Non, c'est Mylène. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les ennemis? Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi? Donc déjà, moi, j'ai cherché dans le dictionnaire Larousse pour que vraiment Daphné puisse comprendre avec son français. Ouais. J'ai vraiment cherché que... Attendez là, c'est quoi ça? Donc c'est vraiment pour toi, Daphné, vraiment. En fait, merci, j'ai cherché qu'un ennemi, c'est quelqu'un ou quelque chose qui va nous nuire, qui va être hostile, en fait, à notre réussite, à notre ascension. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va devoir combattre et qu'on va devoir, en fait, écarter pour qu'on soit excellent, pour qu'on puisse briller. C'est ça un ennemi magnifique. Ok. Eh ben on va parler de certains ennemis. On va commencer par la négligence. Alors la Bible va nous dire dans Jérémie 48:10, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alors, quand on va parler de l'œuvre de l'Éternel, c'est aussi les tâches que nous avons à accomplir dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, à la maison, à l'église, au sport, peu importe l'activité. Ça va être ça l'œuvre de l'Éternel aussi, voilà, d'accord. C'est tout ce que le Seigneur te demande de faire ou dans exactement lequel tu as une implication, tu as ta contribution, ça peut faire partie bien sûr de l'œuvre de l'Éternel. Exactement. Et la négligence va être définie comme un défaut de soin, un défaut d'application en fait. Voilà, on doit faire quelque chose mais on le fait pas bien. Mais et le pire dans tout ça, c'est qu'on sait que c'est pas bien. Mais on va quand même faire ça comme ça parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête. C'est vrai. C'est ça le problème de la négligence. Et la négligence est un ennemi de l'excellence. Donc si vous savez que là, vous deviez faire quelque chose et vous le faites pour le faire, vous n'y mettez pas du cœur parce que ça vous dit rien. Et finalement, peu importe le résultat que ça va donner, sachez que c'est de la négligence. Et exactement, si vous vous comportez comme ça, vous ne serez pas excellent. Mmh. Mmh. Vous avez des exemples, vous, dans vos vies perso? Oui. Oui, 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 oui. Dis-nous tout. Alors, moi, ça remonte plutôt à l'époque où j'étais collégienne. En fait, j'ai des parents qui sont vraiment très à cheval sur l'éducation de leurs enfants, ce qui est totalement logique aussi. Bien sûr. Ils voulaient qu'on soit excellent, qu'on réussisse. Et mon père, il me disait toujours, il faut que vous soyez les premiers, il faut que vous soyez toujours les meilleurs. Et cette phrase, en fait, elle me stressait plus qu'elle ne m'encourageait. Et je savais que je pouvais être vraiment une très, très bonne élève. Mais en fait, j'avais peur d'être, à un moment donné, moins bien. Okay. Par exemple, c'est-à-dire, si par exemple, les mathématiques, donc à un devoir, ou alors j'ai 18 de moyenne au premier trimestre, au second semestre, je me retrouve avec 14. Et j'avais peur qu'ils me disent, mais t'as moins bien fait. Wow. Alors comme j'avais cette peur-là, je restais toujours dans la moyenne. J'avoisinais ou je tournais, j'environnais autour des 12, 10, 11, 11 et demi, voilà. Et puis quand je me fâchais bien là, je pouvais avoir 15. Mais voilà, je ne sortais jamais de cette moyenne parce que j'avais peur en fait de l'échec. D'accord. Donc il y a certaines erreurs que je faisais, mais que je pouvais laisser volontairement. Des copies, par exemple, de français que je ne voulais pas relire parce que j'allais y trouver des erreurs et que j'allais corriger, mais bon, du coup, ça n'allait pas... voilà, il fallait que je reste moyenne. Donc volontairement, je m'accordais le luxe de faire des erreurs pour ne pas être excellente. Ah, ça, c'est vraiment du luxe. C'est du luxe. Oui, vraiment, n'importe quoi. Ça, c'est vraiment du luxe. Moi, je rejoins aussi Daphné, c'était aussi dans le domaine scolaire, c'était au lycée du coup, et j'avais ce besoin en fait d'appartenance au groupe de personnes populaires. Et le groupe de personnes populaires, souvent, ce ne sont pas des personnes qui ont de la lumière à tous les étages, quoi. Alors du coup... Mon Dieu. Alors, elle a tiré là. Du coup, ben, je... Balle perdue pour les groupes populaires. Je savais que je pouvais mieux faire, je connaissais mes capacités parce que j'étais quand même une bonne élève depuis l'école primaire. Et au lycée, mes notes ont dégringolé et mes parents n'ont pas compris. Et moi, au bout d'une certaine classe, la première, j'ai compris que je n'avais pas besoin d'être médiocre ou dans la moyenne pour être acceptée par ces personnes. Et vraiment, je me suis prise en main et j'ai commencé à aller au maximum de mon potentiel, à être excellente, à être une bonne élève. Et j'ai vu que... j'étais toujours intégrée dans ce groupe, j'ai vu qu'ils étaient toujours aussi sympas, au contraire, je les aidais. Et j'ai vraiment compris que pour la suite de mes études, que je pouvais
être, avoir des bonnes relations avec les autres, pas forcément populaire parce que c'est pas ce qui m'intéressait au final, mais pouvoir avoir des bonnes relations avec tout le monde, mais être excellente, être vraiment dans mon couloir, et le fait de le faire ne voulait pas dire que je serais isolée. Et vraiment, j'avais ce besoin d'appartenir à ce groupe. Mmh. Mais il faut faire attention en plus à ce genre de groupe-là. Yes. Parce que tout le monde se revendique un peu, genre, ouais, non, moi je fais pas ci, moi je fais pas ça, tout ça. Exactement. Mais ce sont des gens qui travaillent à la maison. Attention. Oui, c'est ça. Il oui. Faut absolument pas se laisser avoir. Moi, j'influençais les gens comme ça. Ah. La tarte de Turc, Malex. J'étais jeune. Mmh. Aujourd'hui, je suis en Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est surtout ça. Hein. Ok, alors très rapidement, nous allons également citer comme autre ennemi, alors celui-là, la précipitation. Wow. La précipitation. Yes. Parfois, on pense que aller vite, c'est synonyme de faire les choses bien, oui. Mais en allant trop vite, justement, on peut faire les choses n'importe comment. C'est surtout que la promptitude, c'est pas juste de se précipiter, c'est vraiment une rapidité efficace. Le fait de prendre, certes, aller rapidement, mais être efficace, prendre le soin, en fait, de le faire. Et j'ai vu dans un passage de la Bible, dans Proverbe 21:5, qui dit « Les projets de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Et vraiment pour dire en fait que certes, il faut faire les choses rapidement des fois dans notre travail, dans le ministère, dans notre famille, mais il faut les faire également bien parce que nous devons, ça doit mener à l'abondance et non pas à la disette. Et c'est dommage que en voulant construire le château cadre trop rapidement, au moindre coup de vent, ça va tomber. C'est vraiment dommage. C'est un très bel exemple. C'est dommage. Il y a des choses qui nécessitent justement qu'on soit patient, en fait, qu'on n'aille pas vite. C'est pour ça que la Bible va dire en fait que du coup, le fait de la précipitation peut mener à la disette parce qu'il y a des choses qui nécessitent d'être patient. Mais parce qu'on n'est pas patient et qu'on veut aller vite, alors on est dans notre truc. Oui. Et finalement, il n'y a pas de fruit concret qui va sortir de là. Il n'y a pas d'apport, en fait. Il n'y a pas d'apport, c'est ça. Et on perd du temps. En fait, on perd du temps. Ça fait penser à la fast-food, en fait. Fast-food, donc nourriture rapide, cuisson rapide. Finalement, ce ne sont pas des aliments qui ont des apports nutritionnels extraordinaires et de qualité pour notre organisme. Mais on aime les manger, c'est bon et ça se consomme très rapidement. Et surtout, on a faim après, qu'on n'est pas rassasié. On n'est pas forcément rassasié. Et puis, en fait, ça n'apporte rien. Ça n'apporte strictement rien. Donc, juste le goût est rapide, à l'instant T, mais sinon... Ce qui est rapide ou précipité n'est pas gage de qualité. De qualité, exactement. Amen. Alors qu'un bon repas... Vraiment, quand on suit toutes les étapes d'une recette, et même quand on... C'est-à-dire même laver la viande... Est-ce que tu vois un peu l'expression de son visage? Ça, c'est vraiment l'expression de quelqu'un qui aime manger, qui aime cuisiner avec amour, qui prend le temps. Mais oui. J'ai une copine comme ça, quand je fais, elle va dire « Mais toi aussi, t'es trop lente. » Laisse-moi apprécier. C'est ça. Non seulement les étapes, et ensuite le résultat. C'est ça. C'est ça. Donc, ça nécessite de la patience. C'est ça, donc la précipitation est vraiment un ennemi de l'excellence. Ce qui nécessite de la patience, prenez le temps de le faire, ne vous précipitez pas, parce que de toute façon, ça fait perdre du temps. C'est ça, et j'aimerais aussi dire qu'il ne faut pas confondre la précipitation avec la vitesse surnaturelle, idée quelle que les chrétiens aiment beaucoup et appellent aussi très communément dans leur vie, j'appelle idée quelle. Ça, c'est quelque chose que Dieu fait de manière particulière. Mais je ne pense pas que Dieu veut qu'on soit dans idée quelle tout le temps parce qu'il est aussi le Dieu du processus. Exactement. On ne voit rien que pour une grossesse. Une grossesse, c'est 9 mois. Hein. Si c'est ça. 3 mois, 4 mois. Si vous faites sortir l'enfant au bout de 3 mois, ça n'a rien donné. Il y a un problème. Donc Dieu est aussi celui qui crée les processus et qui les respecte, bien qu'il soit souverain de tout. Il respecte aussi le processus et le temps. Donc et nous aussi, nous devons le faire. Il a créé, il a fait la création, il a fait toutes choses dans son temps. Il a vraiment attendu, il a regardé, il est retourné à ce qu'il faisait. Donc vraiment, prendre exemple, imiter en fait cette source d'inspiration qui est Dieu. Amen. Amen. Et la précipitation aussi peut nous amener à improviser. Oui. Et l'improvisation n'est pas toujours bonne. Non. C'est pas partout qu'on peut improviser quelque chose, à part si on est expert dans la matière. Mais si on n'est pas expert, même un expert ne va pas improviser tout le temps. Je pense que l'improvisation, c'est ponctuel, en fait. Mais il ne faut pas vraiment s'asseoir dessus pour dire que je vais faire cette chose, je peux improviser, etc. L'improvisation, elle est remarquable,
mais elle n'est pas excellente. Exact. Ce qui est remarquable n'est pas forcément excellent. On va remarquer le fait que cette personne a une capacité d'improvisation, de s'accommoder à son environnement et de travailler dans l'urgence, mais ça ne veut pas dire que ce qu'elle va faire sera excellent. Exact. C'est ça. Ça me fait penser un peu comme, je sais pas, les chantres au micro, tu vois. Non, t'inquiète, je ne te vise pas. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme, ou même je pourrais prendre un musicien aussi, tu vois. On a un fil conducteur, on a des voix qu'on doit respecter, mais la personne, parce que là, elle sait maintenant que sa voix sort, elle va commencer à faire des vocalises. Tu vois, elle va. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas ton rôle, tantine. Reste tranquille. Exactement. Exactement. Donc là, on va remarquer justement qu'elle a cette capacité à faire sortir sa voix. Ok, c'était super beau, mais ça ne donne le résultat n'est pas excellent parce que c'est pas ce qui était demandé. C'est ça. Voilà. Donc voilà, un exemple parmi tant d'autres. Ok. On va citer d'autres ennemis. Yes. Alors, après la précipitation, nous avons le retard. Celui-là, il mérite beaucoup de là, vraiment, tellement. Il faudrait dire, Alex. Pardon ? Il faudrait dire. Le retard. Ah, ça. Non, le retard. Lui-là, il est chaud. Ça, c'est quand on gère mal notre temps. Mais vraiment. Pour être... Moi-même, je sais que c'est quelque chose que je dois corriger. C'est-à-dire quand tu penses que tu gères bien ton temps et puis finalement, tu te retrouves être pressé. C'est ça. C'est ça. Mais le retard. Et puis, c'est aussi quelque chose qui fait perdre du temps aux gens. C'est ça. Et du coup, tu es mal vu. Ouais, c'est ça. Et tu es mal vu. Tu es mal vu. Tu peux même passer à côté de quelque chose. Imagine, tu arrives en retard à un entretien, par exemple. C'est très compliqué. À une réunion qui est primordiale où tu dois faire garder tes enfants. J'ai un exemple d'ailleurs par rapport à ça. Ouais. Je devais passer un entretien donc pour un poste que je désirais bien. Et je m'étais très, très bien préparée. Et en fait, une fois arrivée dans la ville où allait se tenir mon entretien, mon téléphone s'éteint. Du coup, je ne peux plus contacter la société qui me reçoit. Et il y avait un problème de transport. Wow. Donc, je suis bloquée, je ne sais pas quoi faire. J'arrive à l'entretien avec 20 minutes de retard. Il décide quand même de me recevoir et de s'entretenir avec moi. Vraiment, je veux pas vous exagérer ou quoi que ce soit, mais j'ai très, 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 très bien fait cet entretien. Je m'étais vraiment... Il était étonné que je me sois aussi bien préparée. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le poste. Et je sais très bien que je n'ai pas eu le poste parce que je suis arrivée en retard. Donc, peu importe la raison. J'avais une raison légitime. Voilà, il y a eu souci au niveau du bus et tout. Mais... Je suis arrivée en retard et tout le monde n'est pas tolérant avec ça et tout le monde n'a pas forcément à être tolérant avec le retard parce que comme tu le dis, voilà, c'est le respect, c'est la considération qu'on a pour l'autre personne. Exactement, et c'est disqualifiable. Et il y en a qui le prennent même pour du mépris, quoi. C'est ça. Oui, mais c'est un peu normal parce que bon, on peut être en retard une fois, deux fois, enfin voilà, mais quand on sait que là la personne peut-être nous attend pour quelque chose d'assez important. Mais que tu te permets d'arriver en retard. Voilà, moi je pense qu'il y a des personnes qui choisissent vraiment les situations dans lesquelles elles vont arriver en retard ou pas. Non, mais vraiment, et c'est du vécu, ça me fait mal même parce que ça me pique. Parce que tu sais que la personne pour aller au travail, elle va être à l'heure. Tu sais que pour faire telle et telle chose, elle va être à l'heure. Mais quand c'est pour toi, maman. Ça fait mal au cœur. Ah, le retard. Oui. Non, franchement, c'est. Voilà, bon après il y a des raisons, hein. Oui. Il y a des situations, des circonstances vraiment atténuantes qui font que, mais par exemple un recruteur va estimer que tu aurais quand même dû anticiper. C'est ça. Voilà, ouais. Donc en réalité ça relève toujours de notre responsabilité. Ah oui, mais ça peut être intraitable et j'aimerais bien prendre l'exemple de la nature en fait. On n'imagine pas si le cycle de la nature... comme il est aujourd'hui, s'il y avait 10 heures de retard sur chaque chose. C'est-à-dire qu'à une certaine période de l'année, vous avez les mouettes qui migrent vers le sud, vous avez telle plantation qui pousse, le climat aussi, les saisons lorsqu'elles ont du retard, parce que c'est du réchauffement climatique. Et voilà, j'ai pas envie d'être là pour faire comme si j'étais trop écologiste. Mais vous comprenez bien que ça crée en fait des dérèglements sur...
tellement de choses. C'est du désordre, quoi. Finalement. Voilà, ça crée un désordre, même si, voilà, c'est sur un plan beaucoup plus macro, mais c'est pour juste expliquer que chaque chose peut être en fait ordonnée de telle sorte à ce que ce soit fluide. Et en fait, même quand on est en retard, en fait, on est stressé, on n'est pas bien. Il faudra trouver soit des excuses quand on n'a aucune excuse pour être en retard. C'est ça. Tu vas te retrouver à mentir. À mentir. Voilà, c'est finalement, c'est pas si intéressant que ça. Et on sait qu'en plus, c'est le diable qui est le père du mensonge. Hein. C'est donc ça. Quand on commence à mentir pour vouloir se sortir d'une situation, il faut savoir qu'on a ouvert là tout de suite une mauvaise porte. Ah, mais l'apôtre dit qu'un démon ne marche jamais seul. Donc, c'est-à-dire que si toi, souvent, tu es là et que tu luttes avec le démon du retard, le démon du mensonge, là, il est peut-être à côté, il lui tient la main pour que lui aussi, il prenne le relais quand c'est le moment. Quoi. Exactement. C'est ça, le retard. D'ailleurs, ne soyez pas en retard, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité de soutenir la chaîne Évangile TV. Vous avez le PayPal là qui s'est inscrit juste en dessous, en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, vous pouvez le faire dès à présent. Pas quand l'émission sera finie et vous direz « Oh mince, je ne l'ai pas fait !» Profitez de l'opportunité maintenant pendant que vous recevez voilà, cette parole qui vous touche, qui vous bénit, qui vous parle et qui vous amène certainement à vous améliorer. En tout cas, nous l'espérons. Amen. Mais c'est le but de cette émission. N'hésitez pas à nous soutenir. Voilà, la chaîne est portée aussi par votre soutien, vous le savez. C'est ça. Voilà. Donc, merci d'avance pour votre soutien à cette chaîne. Merci beaucoup. Et on va passer à un autre ennemi. Ah, celui-là. La paresse. Aïe, 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 aïe. La paresse. Qu'est-ce qu'on peut dire de la paresse? La paresse, son problème, c'est qu'elle est trop romantique. C'est-à-dire que quand elle commence dans la vie de quelqu'un, c'est difficile de s'en séparer. Vraiment, accrocher. Voilà, elle s'accroche, elle te tient par les sentiments, en fait. Oh. C'est comme s'il y a des défauts qui te... En fait, ils te collent à la peau parce que les raisons sont tellement légitimes pour être paresseux. Mais hier, t'as travaillé dur. Aujourd'hui, il faut que tu te reposes encore. Exactement. Le repos que tu mérites, c'est pas un seul jour, c'est trois. Mais au bout du troisième jour, tu te rends compte que c'est pas bon. Et il faut rajouter quatre autres. Et tu te retrouves à faire une semaine sans avoir rien fait. Sans avoir rien fait. Alors, on ne parle pas, on ne dit pas que ce n'est pas bon de se reposer. C'est ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut être équilibré. C'est-à-dire que même à un moment donné, même ton corps dit « Ah, j'en ai marre d'être couché. » C'est ça. Normalement. 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 Et souvent, on dit, par exemple, dans la Bible, dans Proverbes 12, 24, il est dit que la main des diligents dominera, mais la main du lâche sera tributaire, c'est-à-dire il sera dépendant de quelqu'un. Exact. Donc si toi, tu ne te lèves pas, tu es toujours paresseux, tu attends toujours d'être nourri par quelqu'un, que quelqu'un fasse quelque chose à ta place, ben, tu seras toujours sous la domination d'un homme. Quoi. C'est ça. Et tu ne feras rien de ta vie, et alors que les autres domineront. Et après, ben, souvent, ça amène la jalousie. Les paresseux, ben, c'est souvent des personnes qui sont jaloux, parce que certes, ils ne font rien, eux, mais ils sont jaloux des personnes qui sont actives, qui sont là, et souvent, ils disent c'est parce qu'ils ont la grâce, c'est parce qu'ils sont excellents, c'est parce qu'ils sont nés dans une famille, dans un contexte merveilleux, alors que moi, non, je ne l'ai pas eu. Mais souvent, c'est juste des personnes paresseuses. Mais elles ont le temps, justement, de commenter ce que les Exactement. Autres font, à dire c'est bien, c'est pas bien, j'aurais mieux fait, mais parce qu'elles ne le font pas. C'est ça. Elles ont le temps d'observer les failles, de commenter, alors que l'autre, il est occupé à travailler. J'aime vraiment le Seigneur parce qu'il fait tout pour qu'on ne soit pas ces personnes dépendantes, en fait. Il le dit bien, celui qui est paresseux sera tributaire. Exactement. Donc, il attendra tout le temps de la part de celui qui se bouge. Et Dieu ne veut pas ça pour nous. Exactement. Amen. Merci, Seigneur. Vraiment. Vraiment, merci, Seigneur. D'ailleurs, la Bible va nous parler de la paresse également dans Proverbes 6, du verset 6 à 11. Donc, ça va être un tout petit peu... voilà. C'est un extrait, en fait, qui va dénoncer la paresse. Donc, je vais vous lire ça. « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. » Donc, ça, c'est de la planification. OK, c'est une parenthèse. « Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme sans armes. » Donc, en fait, la paresse a un lien très étroit avec le sommeil. C'est ça.
Et souvent, aussi dans la Bible, c'est dit que l'obsession d'un homme, c'est l'activité. Donc, vraiment, dire que Dieu, comme disait Daphné, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit assis, couché, qu'il ne fasse rien. Et comme Adam, quand il a créé Adam, il n'a pas créé Adam pour qu'il soit juste assis dans le jardin d'Éden à ne rien faire. Au contraire, on lui a dit de travailler, de vraiment pas. De préparer ce jardin d'Éden pour les animaux, pour la femme, qu'il allait vraiment l'emmener, en fait. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tout à l'heure, tu as parlé de ceux qui sont jaloux parce qu'ils vont considérer que l'autre est né dans une bonne famille. Donc, comme on dit, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche et tout ça. Si nous prenons donc le contexte de la création, Dieu a tout créé avant qu'Adam n'arrive. C'est-à-dire que Adam arrive dans un contexte où il y a tous les outils, tous les éléments, tout ce qui est nécessaire à sa prospérité. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait tout qu'il ne fallait pas qu'il travaille. Exact. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne naît dans une bonne famille que ça veut dire que cette personne n'a pas besoin ou n'a pas à travailler. Adam devait prendre soin de ce qu'il avait. Donc, il devait être actif bien qu'il avait tout. Donc, en fait, travailler n'implique pas d'abord le fait d'avoir tout ou d'avoir rien. C'est qu'en fait, tu dois comprendre que pour ton bien, il faut que tu sois actif dans quelque chose. Et d'ailleurs, même si tu nais au sein d'une bonne famille, je suis désolée, mais cet héritage, il faut l'entretenir, en fait. C'est exactement. Ça. L'argent Adam a fait ça pour entretenir l'héritage que Dieu lui avait donné. Voilà, donc c'est pas parce que, admettons, tu es né dans une famille où tes parents ont amassé une très grande richesse, mais attendez, cette richesse, elle doit continuer à travailler. L'argent doit continuer à travailler. Mm-hmm. Il faut entretenir les choses. Mm-hmm. Donc si on se laisse aller, si on finit tout l'argent, comment on fait pour remplir les caisses après? C'est pas la paresse qui va le faire. Au contraire, la paresse va nous appauvrir davantage. C'est ça. Alors que le travail enrichit, quoi. Exactement. C'est ça. Amen. Donc on va parler d'un dernier ennemi. Eh ben oui, parce que le temps passe. Mm-hmm. Ok. On voit jamais le temps passer dans cette émission. C'est toujours comme ça. C'est ça le problème ici. Voilà. Ça file. On va parler de la procrastination. Aïe. Le fait de remettre tout le temps à plus tard quelque chose qu'on peut faire maintenant ou même qu'on doit faire maintenant. Déjà, rien que dire ce mot procrastination, c'est compliqué. Donc, on comprend déjà rien qu'à l'entendre que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour l'être humain. Mais j'aimerais que tu fasses la nuance entre la paresse et la procrastination. Le paresseux, c'est celui qui dort tout le temps. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr qu'il va effectuer la tâche qu'il doit effectuer. Mm-hmm. Alors que celui qui procrastine, il ne procrastine pas forcément parce qu'il est en train de dormir, mais c'est peut-être parce qu'il est occupé et qu'il ne gère peut-être pas aussi les priorités avec les urgences. Mm-hmm. Par exemple, donc il va se dire, non, ça je le ferai demain, ou ça, je remets à tout à l'heure. Mm-hmm. On sait qu'il va faire cette tâche, c'est juste qu'il va la remettre à plus tard, alors que le paresseux, on n'est pas sûr qu'il va nous produire quelque chose. Et du coup, le paresseux, c'est un procrastinateur illimité, quoi. Il n'y a pas jamais. Il n'y a pas de moment. Voilà. Jusqu'au ciel, il sera paresseux. Quoi. J'espère que même aller au ciel, il ne va pas dire je vais faire demain, parce que sinon, là, il ne va pas aller. Hein. Le jour de l'enlèvement, il est en train de dormir. Voilà, il dira je vais y aller plus tard. Et puis du coup, tu vas rester ici. Il ne va pas y aller. Tu sais, ce que tu as expliqué là, c'est vraiment très important. Et ça me fait penser à un passage où l'on voit Marthe et Marie, donc qui reçoivent Jésus à la maison. Jésus est là et il enseigne. Marie stoppe tout de suite ce qu'elle est en train de faire pour écouter ce que Jésus a à lui dire. Marthe va se frustrer de l'attitude de Marie parce qu'elle n'est pas active pour que ce temps de partage de la parole se passe au mieux, qu'il ne manque rien. Elle est active dans la maison et tout. Et elle va s'offusquer auprès de Jésus en disant mais elle fait rien, elle est assise, elle t'écoute. Et il lui dit mais Marthe, en fait tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part et celle qu'on ne pourra pas lui ôter. Donc malheureusement Marthe s'est retrouvée à procrastiner, c'est-à-dire que au moment où elle devait écouter Jésus qui donnait son enseignement, elle a fait autre chose. Elle a dû certainement se dire à ce moment-là je l'écouterai plus tard. Je demanderai peut-être aux autres de me faire un résumé de ce qui a été dit. À ce moment-là, il n'était pas question de plus tard, il était de question de l'instant présent, du moment où elle devait recevoir cette grâce fraîche au travers de l'enseignement de Jésus, en fait. C'est ça. Quand on va, par exemple, même inviter des gens à l'église, où tu vas leur dire, mais viens ce dimanche, enfin, toi, tu sais que, comme là, il y avait le dimanche du Saint-Esprit, vous voyez,
on sait que là, il y a une atmosphère qui sera favorable à quelque chose de particulier. Mais la personne va te dire, oh, je vais regarder le lien en direct, le culte en direct, où je viendrai dimanche prochain. Ouais, tu peux venir dimanche prochain, mais ce qui devait se passer ce dimanche-là, c'est pas pareil. C'est ça. Que ce qui... Mais bon, après ça, c'est spirituel. Oui. Mais ça compte quand même, en fait. Mais même d'un point de vue purement professionnel, si tu es chef d'entreprise et tu ne fais pas tes déclarations auprès de l'URSSAF en temps et en heure, problème. Alors là. Mais tu vas galérer si tu accumules ça sur des trimestres et des trimestres. Tu vas te retrouver à avoir des dettes et à devoir faire des échéanciers pour étaler tout ça, alors que tu aurais pu utiliser cet argent à meilleur escient. Mais oui. Et c'est comme ça que du coup, ça naît la pression, quoi, le fait que les personnes se sentent débordées, parce que tout simplement, ils n'ont pas eu le discernement de classer leurs tâches par ordre de priorité. Exactement. Et du coup, ils procrastinent, je ferai ça plus tard. Au final, mais ils se retrouvent à beaucoup de choses, à avoir beaucoup de choses à faire au même moment. Mm-hmm. Parce qu'ils ont une deadline, ils n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, les personnes qui procrastinent, on les assimile à des retardataires chroniques. Wow, donc la procrastination marche avec le retard. Et oui. Et les démons qui marchent ensemble. Voilà, tu vois. C'est ça, en fait. Les ennemis qui marchent ensemble. Mm. La procrastination et le retard. Donc, on vous a cité là quelques ennemis. Bien sûr, il y en a d'autres. Okay, on va vous laisser voir ça dans le livre de l'apôtre. Mm-hmm. Donc, les ennemis de l'excellence, comme je disais tout à l'heure, que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Okay, on va quand même vous donner quelques clés très rapidement. Yeah. Hein, on ne va pas laisser les téléspectateurs comme ça. Non. En mode, il y a des ennemis, mais il y a toujours des solutions. Yes. Amen. Amen. OK. Donc, comme clé. Alors, pour être excellent, il faut commencer par s'inspirer de quelque chose, imiter. Yes. La Bible va dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, je vais prendre comme exemple, je ne sais pas, peut-être la création d'une entreprise. Mm-hmm. Ça, votre entreprise, là, elle existe déjà. Il faut regarder un peu ce que fait l'autre, mais maintenant, il faudra juste y mettre un peu du sien, un peu de sa singularité, en fait, pour pouvoir se distinguer de l'autre. Exact. Donc, pour créer quelque chose, il faut imiter. Et surtout, dans la Bible, souvent, c'est écrit dans 1 Corinthiens 11:1, soyez mes imitateurs comme je le suis même. Amen. Le Christ. Et nous, en tant que chrétiens, puisque on parle, je pense, à un auditeur chrétien avant tout, nous devons imiter Christ, nous devons être excellents comme Christ, voir, connaître la parole, savoir ce qu'il a fait et ce que nous devons également faire, et être ses imitateurs. Et c'est comme ça que nous serons excellents en marchant dans ses pas. Amen. Amen. Et une autre clé aussi, se demander si nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait. Oui. Ça, c'est important. Si on sait que voilà, on sait qu'on a fait le truc vite fait, voilà, ça veut dire que c'est pas excellent. Faut pas se mentir à soi-même. Exactement. Et puis en tout début d'émission, tu as parlé de correction. Faut pas avoir peur de s'auto-corriger quand c'est nécessaire. C'est ça. On va également citer la planification. Exact. La planification, le fait de pouvoir s'organiser, de planifier à l'avance ses journées, par exemple la veille au soir, voilà. Qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Ok, ce que je n'ai pas pu faire, peut-être que je peux le faire demain, d'accord? Mais le truc, c'est vraiment qu'il faut lister les tâches, il faut planifier. Exactement, comme ça, on ne se retrouve pas dans la précipitation. Comme ça, on sait que ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et peut-être même définir un temps par rapport aux tâches qu'on doit effectuer. Mm-hmm. Voilà, donc la planification, c'est très important. Oui. Et c'est souvent sous-coté d'ailleurs. Exactement. Et même la planification, ça veut dire qu'on est capable de visualiser. C'est ça. On ne peut pas vivre au jour le jour. Mmh. En fait, il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs qu'on va visualiser et qu'on va planifier pour les atteindre, en fait, tout simplement. Parce qu'on adule beaucoup les gens qui réussissent ou qui font des choses extraordinaires. On est jaloux pour rien, mais cette personne, elle a planifié. Elle a planifié ce qu'elle est en train de faire, en exact. Fait. Donc voilà, c'est pas sorti d'un chapeau comme ça. Voilà. Et on en a parlé tout à l'heure de cette clé, la patience. Yes. La patience, ce n'est pas forcément inné, d'accord. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut remettre en prière. Voilà, Seigneur, aide-moi à être patient. C'est ça. Exactement. La patience est un fruit de l'esprit. Exact. C'est ce que nous dit la parole. Exactement. Oui. Et surtout, accepter d'être confronté aussi aux personnes, parce que certes, on ne sera pas patient tout de suite, mais c'est vraiment le fait que le faire aiguise le faire qui nous aidera, parce que moi, avant, je n'étais pas du tout patiente, même j'étais agacée par la lenteur des personnes, parce que je suis quand même assez speed. Oui. Et vraiment, j'ai appris à accepter que tout le monde ne peut pas faire les choses rapidement et que je dois patienter et ne pas spécialement faire ressentir de la pression. Donc, exactement. Vraiment, la patience, elle s'obtient aussi par le travail du caractère, en étant en contact des autres.
La patience, comme le dit l'apôtre dans le livre, c'est l'antidote de la précipitation. Exactement. La patience. Oui. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont se retrouver dans la pauvreté parce qu'ils gèrent mal leur argent. Ils ont envie de tout dépenser tout de suite. Exactement, c'est ça. Alors que ce n'est pas forcément une dépense utile, en fait. Oui. Voilà. Donc, voici quelques clés qu'on pouvait vous citer ce soir. Oui. En espérant que vous allez les mettre en application. Franchement, il n'y a rien de sorcier dans ce qu'on a dit. Il n'y a pas de recette miracle. Exact. Mais gloire au Seigneur, il a tout mis dans sa parole pour qu'on réussisse. Ouais. Et c'est quand on médite vraiment la parole de Dieu qu'on se rend compte que Dieu veut que l'être humain réussisse. C'est vraiment dans sa volonté. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé une personne pour qu'elle galère et qu'elle tourne en rond comme ça. Mais c'est ça. Qu'on puisse être finalement les créateurs par sa parole de notre propre success story. Amen. Amen. Et vraiment, il y a une success story dans la Bible, dans Daniel 6:3, qui dit « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y en avait un avec lui, un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. » Donc vraiment, lui, il a connu vraiment quelque chose. Il a été élevé, en fait, au-dessus de ceux qui devaient gouverner, lui donner des ordres. Et c'est eux qui devaient lui rendre des comptes et vraiment nous dire que l'excellence, Dieu le voit, Dieu voit nos cœurs. Et qu'on ne doit finalement vraiment pas le faire pour les hommes. Parce que certes, les hommes verront lorsqu'on sera élevé, mais c'est Dieu qui nous élève. Amen. Donc vraiment se dire que c'est possible pour nous aussi. Amen. J'aime bien cette conclusion. Amen. Et ben voilà, donc tendez toujours à être excellent, recherchez toujours le meilleur dans tout ce que vous faites, ne laissez rien au hasard, ne soyez pas négligent, mais soyez patient, planifiez, et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi, Mylène. Merci Daphné. Merci à vous, les téléspectateurs. Et encore merci aux équipes qui travaillent derrière pour que cette émission puisse avoir lieu, pour qu'elle soit diffusée. Merci encore à toi, Pasteur Grasse. Merci à Pote. Merci, Sabrina. Et merci également à Pasteur Paulette. Merci tout le monde. Et on vous dit à bientôt. Bye bye. Bye bye.